Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Déjà, vraiment, c'est le Gondwana, quoi. Il n'y a rien là-bas. C'est une grande fierté pour moi de n'avoir pas cru en eux. Quand ils sont arrivés au pouvoir en 2005, j'ai eu une intuition terrible qui m'a dit non. Ces gens-là, il ne faut pas avoir confiance en eux. Ils ne pourront pas, ils ne pourront rien faire. J'étais parti seulement sur un aspect de leur arrivée au pouvoir. Les Togolais n'ont pas vu ça de trop. Quand Faure Gnassingbé a dit qu'il voulait faire un seul mandat, j'ai compris que non, c'est parti pour longtemps. Parce que c'est le classique, quoi. Quand les chaînes françaises ont commencé par nous dire que il était de maman du sud et de papa du nord, j'ai compris aussi que nous sommes partis pour longtemps. Et vous savez, c'est ce problème de ligne qui a fait que nous sommes allés avec d'autres amis créer Lynx Togo Info. Parce qu'on nous prenait pour des radicaux, quoi. Des radicaux. On a essayé de donner des interviews, de faire ce qu'on pouvait faire. Pour polir un peu ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Tertio. Quand j'ai compris qu'ils avaient un train de vie un peu dégoûtant. Quand je dis dégoûtant, je veux dire un train de vie princier. Tu sais, Ticha, moi j'aime observer. J'observe beaucoup, quoi. Je peux observer sans que tu ne saches que je t'observe. Je crois, en 2007, ils sont venus pour la reprise de la coopération. J'y étais à Bruxelles. Je les ai vus défiler. Ils étaient tous là. Pascal Boudjouna. Hongbo venait d'être nommé Premier ministre, flanqué de Louis Michel. J'ai même eu la chance de faire une interview avec un confrère de la Deutsche Welle et de l'AFP. On a posé des questions à Gilbert Hongbo. J'ai vu tout le Gotha là. Les Meimounatou qui sont maintenant à la CDAO et qui menacent le député et comment dirais-je, Marius Guy Sagnan de coups et blessures. Quand ils sont arrivés, l'on pouvait tout de suite remarquer que ils sont venus pour piller le Togo. D'abord, il faut voir les suites qu'ils ont prises dans le cœur de Bruxelles. C'est-à-dire, un ami était arrivé jusqu'à me dire que finalement, l'argent, c'est-à-dire les reliquats que l'Union européenne devrait remettre au Togo, la moitié va être investie dans les hôtels. C'était comme des princes, quoi. Et avec l'ami, on s'est dit non. Cette affaire-là, les garçons-là ne vont pas réussir. Ils sont venus pour piller le Togo. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ticha, je veux te parler de deux institutions qui vont être pillées un beau matin,
comme les Sénégalais l'ont fait aussi chez eux. Je veux te parler d'abord de la hack et du département de droit où on forme nos enfants, nos petits frères, nos frères. J'ai l'impression que c'est les deux-là, les deux institutions. C'est de là part tout le drame du Togo. On forme des gens à dire le droit. Mais une fois formés et nommés ensuite, ils tordent le cou au droit. Rarement on a vu ça. Sous Staline, on pouvait comprendre. Les gars étaient en pleine guerre. C'était la guerre. La Russie était attaquée de partout. Et Staline a nommé un de ses proches, Vyshinsky, comme procureur. Lui n'avait pas besoin des chefs d'accusation, parce qu'il les avait déjà au bureau. Il faut amener le coupable. On va trouver ce dont, ou bien ce pourquoi on le condamne. On va le condamner. Quand tu regardes de près, nous sommes à Sao Togo. Mais où est-ce que Faure a appris à diriger un pays comme ça? Où il a appris ça? Quand on garde la hack, ils sont venus en 2005 aussi avec les comportements-là. Ils sont arrivés avec Faure ensemble. Je me rappelle de ce monsieur-là, aujourd'hui décédé, ce confrère. Philippe Evignon. Philippe Evignon avait un journal au Togo. Nous, on animait un petit journal là en Allemagne. Togo Info. Donc, quand il fait un papier, il nous priait de reprendre. C'est-à-dire, il est pratiquement à nos pieds. Il écrit. Camille dit à Tostao de me reprendre. On faisait ça. On faisait plus ou moins la publicité de son journal. En deux mouvements, feu Philippe Evignon a été nommé comme patron de la hack, directeur de la hack. Il a passé le temps à traquer les gens. J'ai décroché, je lui ai appelé. Je lui ai dit, mais dis donc, tu fais comme toi, tu n'es pas passé par là. Il m'a raccroché. J'ai encore appelé un jour. Il me dit, il va me rappeler. Il n'a pas réappelé. La troisième fois, mais c'était comme si c'était un pugilat. Il me menaçait que nous sommes en train de gâter, de ternir l'image de Faure Gnassingbé à l'étranger. Voilà le Togo. Voilà les Togolais. Voilà les Togolais. Mais les Sénégalais dépassés, ils ne savaient quoi faire sous Macky Sall. Mais une fois que l'occasion leur a été donnée, ils sont dirigés vers l'université, à la faculté de droit. C'est, ils ont tout cassé. Ils sortent de dire que nos problèmes-là, dans ce pays, sortent de ce coin-là. Nos problèmes actuellement, hormis les camps militaires, hormis les postes de police, les deux coins dans lesquels le drame togolais se trouve, c'est à la hack ou dans les tribunaux. Avec en tête un procureur des plus tordus. C'est pas possible, tu ne peux pas aller t'asseoir. Passer ton temps à étudier le droit et une fois que tu as fini, tu reviens et puis tu tords le cou au droit. Et tu sors et puis tu t'appelles procureur et puis tu n'es pas gêné. Tu n'es pas gêné. Mais un procureur, il défend les valeurs, non? Il défend la République.
et défend aussi les enfants de la République qu'on veut tricher. Je reprends. Un procureur, il défend la République et défend les enfants de la République qu'on veut tricher. Il y a eu viol ici, il veut voir dedans. Il y a eu vol par là, il veut voir dedans. Il y a eu triche ici, il veut voir dedans. Mais qui les forme pour qu'ils nous fatiguent comme ça? Qui sont leurs professeurs? Qui les forme pour qu'ils soient des tordus comme ça, des voyous comme ça? Qui? Déjà, qui les forme? Moi, chose, on pourchasse un journaliste. Moi, chose, on pourchasse une radio. Moi, chose, c'est à la fin, c'est eux seuls qui ont la télévision. New World TV. On voit des voyous passer là-bas, s'asseoir et déviser. Et déviser. C'est eux qui savent parler du Sahel. Tout du Sahel, c'est eux. On choisit les chefs d'État qu'il faut insulter, qu'il faut traîner dans la boue. Alors que le pire cancre est tout à côté d'eux. On fait comme on ne voit pas. Parce que le pire cancre déverse les subsides. Parfois même, on l'intervive. On va interviewer le cancre en question. On fait en sorte de lui donner un décor comme si le Togo était un paradis terrestre. Alors que les gens nagent dans la boue là. Ils sont dedans quand il y a des inondations. Cette année, on a vu les inondations. Comme actuellement, il y a un peu de soleil, les Togolais ont oublié. L'année prochaine là, patatras, ça recommence comme ça, de plus belle. Depuis 20 ans. Déjà, Francis Pedro a révélé quelque chose. C'est-à-dire, les Togolais ne prennent même plus soin d'écouter, je crois, quoi. Il dit, hein, avec les inondations, là, son parti, l'ANC, vous savez, je ne suis pas très... L'ANC, moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais quand ils font bien, là, je suis le premier à dire, ici, là, les gens, là, ont fait bien. Pedro nous révèle dans une interview avec un journaliste, un certain Wilson, qui le torturait bien sûr. C'est-à-dire, au Togo, on t'appelle pour une interview. Tu arrives. Tu veux mettre à nu ce qui ne va pas. Et le journaliste a pour rôle de te bloquer. Tu te poses cette question, mais dis donc. Pourquoi tu es venu ici? Et n'ont pas commencé ces derniers temps. Hein. J'avais même fait une sortie, je me rappelle, en 2020, où j'ai dit à Nicolas Lanson de ne plus aller. C'était l'interview de celui-là. On vient d'interdire, je ne sais pas, de présentation. Comment on les appelle, je sais, mais le dernier journaliste, là, ils ont interdit. Il a appelé Nicolas Lanson. Le monsieur est arrivé. Il veut parler du Togo. Mais à au moins 15 minutes, Nicolas n'a pas pu dire ce qu'il devrait dire. Il veut dire ça, le journaliste est là. Il veut dire ça. C'est-à-dire, le gars tient le bâton, on dirait quoi. Ça là, il ne faut pas dire. Ça là, il faut, tu peux dire, mais un peu. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Ils ont rendu le pays là invivable. Il est invivable. Déjà, pour te dire que dans cette affaire-là, de deux choses l'une, soit un matin on se lève, on dit avec cette hack-là, ça va, avec ce procureur, cette justice-là, ça va, ou bien ils vont nous traumatiser comme ça. Mais pour des peuples encore petits, Ça peut prendre encore des années. Tu vois que tout le monde est effrayé. J'ai dit et redit dans l'une de mes sorties qu'on faut nous applique la méthode Bob Denard. Bob Denard avait une phrase qu'il prononçait. Toutes les fois qu'on lui reprochait
de traumatiser les Comoriens. Il disait, j'applique la force à ne plus avoir à l'utiliser. C'est-à-dire, j'utilise la force là pour ne plus avoir à l'utiliser. C'est-à-dire, il les traque proprement. Et quand il n'est même plus là, aux Comores, les Comoriens pensent qu'il est là. Ils ont peur. Appliquer la force pour ne plus avoir à l'appliquer. Ou utiliser la force pour ne plus avoir à l'utiliser. C'est à ça nous sommes au Togo. Des fois, le monsieur là, il est en Italie, se balade avec ses multiples femmes. Il est tranquille. Et au Togo, on pense qu'il est là. Aucune mouche ne branche. Je dis aucune mouche ne branche. Militaire comme soldat de rang. Tout le monde a peur. Une mouche survole le camp alors qu'il n'est pas là. Quand vous venez dans la société civile maintenant, c'est encore grave. Tout le monde se tait, juste dans la maison. Je dis, j'ai eu de ces expériences-là. Des amis, filles comme garçons, qui viennent en Europe, soit du temps passant, qui pour une formation, qui pour je ne sais quoi. Tu veux leur parler dans leur hôtel, à Paris, à Londres, en Suisse, je ne sais où, à Bruxelles. Ils ne savent pas te parler. Ils sont convaincus que Pegasus là a traversé la mer. Dans leur chambre d'hôtel. Je dis, mais dis donc, j'essaie de leur faire comprendre que non, c'est pas possible. Chaque pays essaie de protéger son espace. Sinon, ça serait du bazar. Chacun espionnerait chacun. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont traumatisés. Ça ne choque pas le procureur. Et les procureurs, ces dernières 15 ans au Togo, on a vu de toutes les parts. Hein. C'est ça étudier droit. C'est ça le droit. Oh, faut cracher sur eux, quoi. Et puis, ils ont un truc là, scric. Ils ont une salle Dacia là. Une petite voiture Dacia là. Salle là. Qui doit aller chercher les journalistes, chercher les gens qui... Mais c'est quoi ça? Au même moment, les djihadistes sont en train de parader. De parader. On dit aux militaires, aidez-nous. Aidons-nous. Ils sont là, dans les casernes. Les bruits de bottes. Bra, 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 bra. Matin, midi, soir. Bra, bra, bra. Matin, midi, soir. Curieusement, ce sont des gens qui ne durent jamais. Quand ils ont trop fait, ces 60 ans sont morts. Et les officiers, là, eux, comme ils ont à manger, ils ont des climatiseurs, eux vivent longtemps. Tu veux dire au Togolais, non, quelque chose ne va pas. Il te prend pour son ennemi. Viens ici et fais la lutte. Il faut venir ici et faire la lutte. C'est-à-dire, il te dit, viens, nous, on va dire au pouvoir que tu es arrivé, qu'il vienne t'arrêter. De un franc là, ils sont prêts à te trahir. Ils sont là dans la boue, ils sont là dans la merde, ils sont là dans les caca là. Tu veux aider, les aider à sortir de ces caca, tu deviens l'ennemi. Boko s'est levé, Kofi Annan s'est levé, et Olympio s'est levé. Vous allez voir les prochains jours, il y aura un combat terrible. Puis on doit combattre les Togolais. D'abord, et ensuite commencer par combattre Faure Gnassingbé. Puisque il y a des gens qui sont convaincus que c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils doivent vivre. On a amené le Togolais à penser que la misère est normale. Ma proposition est essayer de faire comme les Allemands. Dimanche, personne ne travaille. Quand tu te mets à faire du bruit avec ton marteau à taper, on appelle la police et puis tu as une amende. Il faut forcer maintenant les Togolais à avoir la liberté.
On a plus de choix. Il faut forcer les gens là à avoir la liberté. Ticha, tu sais, je voulais te dire, parler de la hack. Et puis, bizarrement, ils sont, tu trouves des fois de ces gens-là dans les avions. J'ai eu une expérience comme ça avec un qui est à la hack là-bas. On s'est retrouvé comme ça, année à année, dans un avion. Et où tu vas? Je dis, ben moi, je rentre chez moi en Allemagne. Et où toi, tu vas? Ah ben, je m'en vais à Lille. Qu'est-ce que tu vas faire à Lille? Ah, je m'en vais faire un truc en journalisme. Bon, après, il a eu quand même honte, parce que ce n'est pas à son âge qu'on va s'asseoir quand même pour faire des études en journalisme. Mais à la fin, je comprendrai que non. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Il est arrivé en France pour s'amuser. Parce que 48 heures après, j'ai appelé mon cher ami pour savoir s'il avait pu faire son déplacement de Lille. Il me parlait plutôt de la fille qui devrait arriver rapidement dans son hôtel. Vous voyez, non? J'attends impatiemment celle-là parce que, bon, vous savez, c'est comme ça. C'est la bombance, là. On leur a appris vivre gracieusement au dos du contribuable togolais. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils deviennent des dangereux pour la République? Mais ça va finir. Ça, là, ça va finir. On les connaît aussi. Ça va finir, on les connaît. Ticha, merci, babaï. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.